Hey, bonjour à tous et bienvenue pour la suite du LP. Donc j'espère que vous allez bien tranquillement. On se retrouve juste après un live de 4 heures du LP. Fallait être là pour l'être. Non mais sinon, sinon oui, ce que je voulais dire, c'est que on a fait 4 heures de live, donc il y aura peut-être une rediff. Hein. J'espère que ça sera enregistré convenablement. Donc il y a les 4 heures de live, j'essaierai peut-être les condenser pour montrer le meilleur de tout. Mais sinon, en fait, on a pas mal avancé, j'ai été beaucoup miné, en fait, j'ai trouvé beaucoup de ressources. Le live fera ce qu'il faut, hein, la rediff du live. J'ai réussi à avoir une tête de Wither, j'ai réussi à avoir les Angel Ring, j'ai fait les panneaux solaires. Je me suis fait un looting 5, donc avancé naturellement. Ici j'ai pas trop avancé hein, surtout sur ça. Jusque en fait il y a pas mal de choses qui ont bougé après. Notamment dans la dernière heure. Déjà je peux voler, donc ça c'est bien. Mais c'est surtout que j'ai modifié toute l'iron farm en fer officiellement. Officiellement c'est une iron farm. Il manque juste 10 villageois ici parce qu'ils sont complètement buggés. Faudrait que je les remette en fait. Et du coup bah voilà actuellement l'iron farm. Donc tout le fer est parti hein, tout le fer, il y avait un coffre entier de blocs de fer. Tout est parti directement et bah, je trouve ça nettement plus classe. Alors il y a juste un truc que je voudrais bien savoir pour plus tard au pire. C'est est-ce que ici je vais pas mettre de la packet ice, de la vraie packet ice, qui fera que en fait les golems iront beaucoup plus vite au lieu de ça. Je trouve ça mieux de mettre de la glace, au pire, et je mettrai peut-être des dalles en dessous. Des dalles, pas de verre, mais de fer, pourquoi pas. Histoire d'arranger tout ça. Donc, du coup, maintenant, je peux voler, je suis plutôt content. J'ai pas mal avancé dans le nether, j'en ai chié pour avoir le ghast, faut dire ce qui est. De toute façon, rediff de light, tout le tralala... Mais en tout cas, c'est vraiment cool d'avoir fait ça, d'avoir tout modifié, c'est un live super bien. Donc du coup, c'était juste une petite vidéo pour vous dire ça. J'ai trouvé l'end aussi, hein, tout ce qu'il faut. J'ai vraiment tout fait hein, durant ce live. C'était super sympa, ça m'a beaucoup plu. Je sais que les gens aussi sur le live, ça leur a beaucoup plu également. Donc ça c'était vraiment très cool. Bien sûr il y a la maison qu'on continuera, hein, forcément. La maison faudra la continuer. Open computer naturellement. Et on fera tout ce qu'il faut là-dessus. Donc voilà, un petit peu tout du pourquoi, comment ça a été fait. Donc le modpack bien sûr pour vous, il est à 1.10.2. Le modpack est à jour officiellement. Ça sera lien dans la description pour le nouveau type de config et de tout simplement de ce qu'il faut, les configs et les mods. Donc voilà, je suis en Little Modder en plus, j'ai ça, j'ai 160 mods actifs et vous avez le Forge ici 12 18 1 2075 pour lancer les mods en compatibilité. Voilà, sur ce, moi je vous laisse, c'était une petite vidéo tranquillement, histoire de papoter, mais franchement le live c'était vraiment cool, voilà. Sur ce, bisous tout le monde, c'était TP, à la prochaine, wouhou, c'est magnifique, une belle tête de Wither, ah, j'ai bien aimé. Sur ce, bisous.